Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va être d'un format assez différent à celui de d'habitude. Avant toute chose, si vous ne connaissez pas l'histoire de Gucci et que vous préférez attendre la sortie du film au cinéma le 24 novembre, ne regardez pas cette vidéo, spoil alert. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'ont Jackie Kennedy, Lenny Kravitz, Brad Pitt, Grace Kelly ou encore Madonna en commun? Eh bien, ils ont tous déjà été habillés par la maison Gucci. Mais quelle est la véritable histoire de cette enseigne italienne? Pour mieux le comprendre, on va tout simplement diviser cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps, vous allez avoir l'histoire de l'enseigne italienne de Gucci, voir son évolution. Et puis dans un second temps, on va vraiment s'axer sur la famille Gucci, parce que oui, il y a des choses à dire. Pour profiter pleinement de cette vidéo, mettez-vous dans un coin calme, montez le son, et laissez-vous porter. Tout commence avec la naissance de Guccio Gucci le 26 mars 1881 à Florence. J'ai trouvé très peu de détails sur ses parents. On sait seulement que son père était reconnu et spécialisé dans le travail du cuir à Florence. Très vite, Guccio va prendre goût pour le raffinement et le luxe qu'il va découvrir lors de ses nombreux voyages dans les capitales d'Europe. Il s'installe alors à Londres, plus précisément à l'hôtel Savoie de Londres, où il va y travailler pendant plusieurs années comme maître d'hôtel. Et c'est vraiment à cette période qu'il va découvrir un monde dont il ne connaissait encore rien, ça va être le monde de la haute bourgeoisie. Il retourne ensuite dans la région de Toscane en Italie, et plus précisément dans sa ville natale, donc à Florence, et il va décider d'ouvrir en 1921 sa première boutique de maroquinerie, de bagagerie, mais aussi d'accessoires d'équitation. Pour ses créations, il s'inspire particulièrement de ce qu'il a vu durant ses différents voyages, et plus particulièrement sur les influences anglaises. Son objectif, c'est réellement d'apporter ce côté raffinement, ce côté de luxe, mais aussi d'excellence à ses créations. Et c'est aussi à ce même moment où l'univers équestre va prendre réellement part dans toutes ses créations, à savoir, il va apporter comme symbole le fameux étrier, mais aussi le mors. Très vite, Gucci va se faire un nom et il va attirer les clients du monde entier qui vont réellement tomber amoureux de cette enseigne italienne. Mais malheureusement, la Seconde Guerre mondiale arrive et ça va créer un réel frein dans la production de ses créations. Pourquoi? Tout simplement, le cuir à cette époque est vraiment une denrée rare et donc il va devoir se renouveler. Et pour ça, il va partir sur des matériaux totalement différents. Il va vraiment s'éloigner du cuir et il va donc se lancer par exemple à la conquête du bambou. Et c'est à cette période-là qui va sortir son illustre sac qui est très très connu encore aujourd'hui, ça va être le sac bambou. Guccio Gucci décède en 1953 et donc tout l'héritage va être légué à ses enfants. Je sais, vous avez envie que je vous parle de sa famille, mais ça viendra dans la partie 2. Je préfère vous garder un peu de suspense, même si vous savez ce qui peut se passer lorsqu'un tel empire commence à être légué en héritage. La mort de Guccio ne va pas pourtant mettre un terme à l'enseigne italienne, bien au contraire. La conquête des célébrités est alors le nouvel objectif pour redresser un peu l'empire Gucci. Et c'est surtout aussi pour rappeler que Gucci ne peut pas être porté par tout le monde. Gucci, ça vient du luxe et donc rien de mieux que de faire appel aux célébrités pour faire une très bonne publicité pour la marque. En 1956, toujours à la recherche de créations sans cuir, va naître le fameux foulard Flora, réalisé pour Grace Kelly. Les années 60 propulsent la maison à son apogée et les célébrités s'arrachent les sacs à main de la marque Gucci. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Jackie Kennedy va se voir réaliser son propre sac à main, qui va d'ailleurs être nommé Jackie. Gucci est alors sur toutes les lèvres à cette période et justement pour marquer un peu cette grande expansion de la maison, de cette enseigne italienne, il va être créé le fameux logo double G qui va devenir vraiment le symbole de la maison Gucci.
Parmi les grands classiques de la griffe, on va voir apparaître les fameux mocassins à mors de cheval, toujours en référence à cet univers équestre qu'on avait au début de l'enseigne. Malheureusement, suite à des conflits familiaux, la marque va se voir légèrement freinée. Effectivement, il n'est pas facile de gérer un tel empire lorsque l'enseigne italienne est divisée en plusieurs parts. En 1987, l'enseigne se voit rachetée par une société d'investissement des Émirats Arabes Unis qui se nomme alors à ce moment-là Invest Corp. Il faut attendre 1994, le fameux styliste Thomas Carlyle Ford, autrement connu sous le nom de Tom Ford, et lui, il va arriver à la tête de la direction artistique. Et grâce à son arrivée, l'enseigne Gucci va réellement revivre. Il va apporter une nouvelle dimension à l'enseigne qui n'a pas réellement été exploitée parce qu'à cette époque, elle était un peu perçue comme trop posée, et il va apporter cette dimension de porno chic. Qu'est-ce que réellement le porno chic ? Eh bien, Tom Ford va apporter une dimension assez audacieuse, une dimension assez rebelle justement à ses créations. Il va par exemple designer le G-string, il va encore apporter des menottes ou créer des décolletés plus que convenables pour l'époque. Cette mode du porno chic va réellement conquérir les célébrités et va permettre de redonner un nouveau souffle à Gucci. Il y a surtout une star qui va adorer cette nouvelle collection, cette nouvelle ambiance Gucci, et c'est Madonna. En 2003, Gucci est acquéri par l'entreprise de luxe français Kering, qui appartient à François-Henri Pinault. Pour se rendre compte un peu de l'ampleur de ce groupe, le groupe Kering possède aujourd'hui Balenciaga, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, etc. En 2004, Tom Ford va laisser sa place à Frida Giannini, qui a seulement 35 ans à cette époque. Avec son arrivée, le côté rebelle, audacieux et un peu désinvolte qu'avait instauré Tom Ford va disparaître. Frida Giannini souhaite faire honneur aux origines de Gucci. Elle y arrive parfaitement, puisque dans les années 2000, Gucci arrive à s'imposer sur le marché du luxe et à toucher des clients de plus en plus fortunés. Personne ne peut arrêter Gucci à ce moment. Pour se rendre un peu compte de sa puissance, en 2009, Gucci fait 4 milliards de chiffre d'affaires. De plus, elle fait partie des 100 plus grandes entreprises au monde selon le cabinet de conseil Interbrand. Mick Jagger, Brad Pitt, Jennifer Lopez et je vous en passe, toutes ces célébrités dans les années 2000 portent obligatoirement une pièce Gucci. Pour montrer sa puissance, son ampleur, etc., Gucci va même aller jusqu'à ouvrir son propre musée en 2011. À Florence. Après le départ de Tom Ford ou encore de Frida Giannini, Marco Bizzarri, qui est alors directeur général en 2015, va nommer comme nouveau directeur artistique Alessandro Michel. Alessandro n'était pas encore connu à cette époque, alors qu'il travaillait quand même depuis plusieurs années pour les accessoires de l'entreprise. Il connaît donc parfaitement l'enseigne et l'histoire de Gucci. La première collection d'Alessandro, passionné par cet univers un peu antique, va connaître un réel succès. Redorer le blason de Gucci est vraiment leur objectif à ce moment. Ils disent: pourquoi avoir investi si longtemps dans un logo pour soudain en avoir honte parce que la nouvelle tendance est de dire « je suis sophistiqué, je ne porte pas de logo ». Mais ce n'est pas ça la sophistication. Alessandro Michel va totalement réinventer la marque Gucci. Et grâce à Alessandro Michel, l'enseigne arrive pour la première fois à toucher des clients qui sont de plus en plus jeunes. En 2016, Gucci révolutionne la mode et annonce fusionner les collections hommes et les collections femmes. Le 11 octobre 2017, Marco Bizzarri, toujours à la direction générale de l'entreprise, annonce arrêter la fourrure. Alessandro Michel ne s'arrête pas là. Pour la collection automne-hiver de 2018-2019, il va totalement révolutionner le défilé. Croyez-le ou non, à ce moment, on voit défiler un Gucci cyborg, une mannequin avec un bébé dragon dans les bras, ou encore une autre avec un troisième œil sur le front. On a tous les codes qui vont être cassés lors de ce défilé. Depuis le début, on voit que les célébrités sont fans de la marque Gucci et surtout pour l'audace dont elle fait preuve.
Et bien à ce moment-là, suite à ce défilé qui est si particulier, ça va être Elton John qui va tomber amoureux de la marque. Il qualifie alors les pièces de Gucci comme étant emplies d'humour, facétieuses et sublimes. La maison italienne signe alors avec Elton John tous les costumes pour sa tournée d'adieu. Elton John, quand même. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme pour une marque de luxe d'aller dans des costumes un peu audacieux comme Elton John aime être. Et après tant d'évolutions, on peut vraiment se demander comment l'entreprise peut encore se renouveler, comment elle peut encore apporter de nouvelles choses. Il faut attendre l'été 2020. Gucci va lancer pour la toute première fois une collection entièrement éco-responsable. Gucci va encore surprendre l'univers de la mode en 2021 pour la sortie de sa collection printemps-été. Alessandro Michel va alors organiser avec le réalisateur Gus Van Sant une mini-série afin de promouvoir la nouvelle collection. Ainsi, on peut tout simplement dire que Gucci est devenu un réel empire et a su se renouveler au fur et à mesure des années. J'aurais été curieuse de savoir si Gucci aurait été en accord avec ce qui est devenu l'enseigne italienne aujourd'hui. Maintenant que vous maîtrisez sur le bout des doigts l'histoire de la maison Gucci, on va passer à la partie que vous attendez tant. Quelle est la véritable histoire de la famille Gucci? Tout commence avec la naissance, comme je vous l'ai dit juste avant, de Guccio Gucci en 1881 à Florence. Il s'installe à Londres et trouve un travail comme maître d'hôtel au fameux Hôtel de Savoie à Londres. Il va alors découvrir un monde dont il ne connaissait encore rien à cette époque, un monde de richesse, de haute bourgeoisie, mais aussi d'aristocratie. Il se dit alors qu'il y a un réel potentiel ici et décide donc de rentrer à Florence et de créer sa première boutique de maroquinerie et bagagerie en 1921. Guccio Gucci connaît donc un petit succès et va ensuite se marier avec la fille d'un tailleur. De ce mariage va naître une fille et trois fils, dont deux principalement vont jouer un rôle essentiel dans l'histoire Gucci. D'un côté, on va avoir Aldo Gucci qui lui est né en 1905 et de l'autre Rodolfo Gucci qui est lui né en 1912. Les deux frères ont vraiment peu de points communs. D'un côté, on a Aldo, le grand frère, qui est lui passionné par le commerce et va donc rejoindre l'entreprise en 1925. Il commence comme coursier et très vite, il va gravir les échelons et va devenir responsable de l'aménagement des boutiques et de la production. Pour lui, il faut le comprendre, c'est tout juste impensable de ne pas travailler dans l'entreprise familiale. Il a de grandes ambitions, il est déterminé et veut vraiment marquer l'histoire de l'entreprise. Et de l'autre côté, on a le petit frère, Rodolfo, qui lui n'a pas pour ambition de travailler chez les Gucci. Non, bien sûr que non, lui il veut être acteur de cinéma. Il ne veut donc pas rejoindre l'affaire familiale et malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale, il ne va pas avoir d'autre choix que de trouver du travail. Il va donc commencer comme responsable du magasin à Milan. À votre avis, comment va réagir Aldo? Il était l'unique fils de Guccio qui travaillait d'arrache-pied dans l'entreprise et d'un coup, juste comme ça, sur une décision du jour au lendemain, Rodolfo décide de le rejoindre dans l'aventure. Je pense que vous avez très vite compris. Doucement mais sûrement, il va y avoir une rivalité qui va naître entre les deux frères. Guccio se dit que ce n'est pas mauvais pour l'entreprise, au contraire, il se dit que chacun va faire ses preuves et donc l'entreprise va en bénéficier. Eh bien, c'est l'une des pires erreurs commises par Guccio. Il ne s'en rendra jamais compte puisqu'il décède en 1953, laissant derrière lui des millions d'euros et un empire à gérer. La direction revient à, vous l'aurez compris, à Aldo, le grand frère. Et il va jouer un rôle essentiel dans le développement de l'enseigne italienne. Il va ouvrir des boutiques en Asie, en Europe ou encore aux États-Unis. Donc Aldo vit la parfaite vie. Il vit dans un monde idyllique, il habite à New York, il connaît des célébrités avec qui il fait des soirées, particulièrement avec les Kennedy. Mais il y a quelque chose qui a don de l'énerver. Et vous savez très bien qui l'énerve particulièrement. Rodolfo, son petit frère. Pourtant, Rodolfo, c'est quelqu'un de relativement discret. Il s'occupe de la production et du développement des boutiques, mais ce n'est pas ça vraiment qui va énerver Aldo.
Ce qui l'irrite au plus haut point, ça va être le partage des parts. En effet, Aldo et Rodolfo ont racheté à leurs frères et sœurs les parts de l'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Aldo possède 50% du capital de l'entreprise, mais de l'autre côté, Rodolfo possède également 50%. Et pour Aldo, c'est totalement inconcevable. Pourquoi Rodolfo, quelqu'un qui n'est pas connu, qui ne parle pas avec les stars et qui n'a pas une place très importante au sein de l'entreprise, a le droit à 50% du capital? On peut se dire à ce moment qu'il va y avoir une explosion au sein de la famille. Eh bien non. Il va falloir attendre la génération suivante qui va parfaitement s'en charger. Le conflit familial va vraiment se faire entre Paolo Gucci, deuxième fils d'Aldo Gucci, qui est né lui en 1931, et entre Maurizio Gucci, fils unique de Rodolfo, né en 1948. Donc rapidement, pour vous faire un petit brief sur les personnes de la famille, on a Guccio Gucci qui a plusieurs enfants mais dont deux vont jouer un rôle intéressant, donc c'est-à-dire Aldo Gucci et Rodolfo Gucci. Et de ces deux personnes vont naître Paolo, fils de Aldo, et Maurizio, fils de Rodolfo. Et c'est ces deux-là qui vont vraiment poser problème au sein de l'enseigne. Paolo Gucci est réputé pour avoir un tempérament quelque peu colérique. Il va donc rejoindre son oncle Rodolfo, avec qui il va travailler pendant plusieurs années sur le développement marketing. Ce qui va poser problème entre son oncle Rodolfo et Paolo, ça va être d'avoir deux visions totalement différentes pour Gucci. Pour vous dire un peu, leur relation va tellement être conflictuelle que Paolo, en 1979, décide de quitter l'entreprise familiale pour créer sa propre entreprise, à savoir la Paolo Gucci Collection. Bien évidemment, en tant qu'homme acharné et passionné par son métier, il va rechercher des fournisseurs. C'est totalement faux. Totalement faux. Paolo Gucci va directement se servir parmi les fournisseurs de l'entreprise familiale. Et je vous laisse imaginer un peu la colère noire d'Aldo, son père, lorsqu'il va apprendre que son fils a fait ça. Pour lui, ça va vraiment être acte de trahison. Et pour se venger un peu de son fils, il va se lier à son frère Rodolfo pour le licencier sans indemnité. Vous vous rendez compte à quel point ça va loin. Aldo s'est quand même lié de nouveau à son frère Rodolfo pour évincer son propre fils. On voit qu'il y a un certain souci de paranoïa au sein de cette famille. On peut donc alors penser qu'il ne va plus y avoir de problèmes familiaux. Eh bien, c'est faux parce que ce serait beaucoup trop simple pour l'enseigne. Rodolfo, qui était jusqu'alors quelqu'un de réservé, va se dire que son frère Aldo va conspirer contre lui et va essayer de lui voler l'enseigne et ses parts. D'ailleurs, il va se rendre compte qu'Aldo veut l'évincer de l'entreprise familiale lorsqu'il va s'apercevoir qu'Aldo possède 80% des parts de la parfumerie Gucci et que lui-même, Rodolfo, n'en possède que 20%. Rodolfo se persuade alors qu'Aldo veut lui voler Gucci et la garder que pour lui. Comment Rodolfo va réagir? Eh bien, il va tout simplement impliquer son fils Maurizio dans les affaires familiales. Il va le faire travailler et lentement lui faire gravir les échelons au sein de l'entreprise. Vous vous en doutez, Aldo se rend compte de ce traquenard un peu orchestré par Rodolfo et va donc choisir de se réconcilier avec son fils, à qui il va vendre 11% des parts de l'entreprise pour qu'il revienne au sein de Gucci. Donc on a ici deux clans, on a Aldo Paolo et Rodolfo Maurizio. Comme je vous l'ai dit juste avant, Paolo a une vision très particulière de Gucci et il n'arrivait pas à imposer ses idées à Rodolfo. Eh bien encore une fois, ça va se reproduire, il a encore des idées, des convictions et il n'arrive pas à les appliquer et surtout à les faire admettre à son père Aldo. En juillet 1982, Paolo explose lors d'un conseil d'administration. Il va sortir un magnétophone et dire « Écoutez mes revendications, écoutez les idées que j'ai pour Gucci, je les enregistre et après vous n'aurez pas le choix de les appliquer. » Il menace donc directement son père et son oncle qui sont tous les deux à table en train de l'écouter. Aldo, se sentant alors menacé par son propre fils, va être dans une colère noire. Il va prendre son magnétophone, le piétiner, ensuite il va insulter son propre fils pour ensuite s'en prendre physiquement à lui. La haine
de Paolo est alors plus grande que jamais. Il va alors organiser sa vengeance en faisant des recherches sur des preuves d'opérations d'évasion fiscale émanant d'Aldo. Un an plus tard, en 1983, Rodolfo décède. C'est-à-dire que Maurizio, son fils, se retrouve avec 50% des parts de l'entreprise Gucci. Sachant que les 50 autres pourcents sont divisés parmi Aldo et ses enfants. Est-ce que vous vous rendez compte ici de la menace que représente Maurizio pour le reste de la famille? Imaginez que Maurizio s'allie à un des fils d'Aldo et lui rachète ses parts. Ça voudrait dire qu'il pourrait alors prendre le contrôle de l'enseigne Gucci. Et il va y parvenir en 1986. Il va racheter les parts de son cousin Paolo. On peut se demander alors pourquoi Paolo a revendu ses parts à Maurizio alors qu'il y avait des tensions. Paolo avoue que lui, il n'a jamais eu de rancœur envers son cousin et donc il a accepté de les vendre pour 20 millions d'euros. Mais il existe encore un obstacle qui fait que Maurizio n'est pas encore le grand maître de l'entreprise. C'est tout simplement que Aldo est le PDG de la firme. Maurizio va donc s'allier à Paolo et coïncidence ou non, dans la même année, Aldo va être condamné à plusieurs années de prison pour fraude et détournement de fonds par la justice américaine. Et malheureusement, il décédera en 1990. Bon, vous vous doutez bien, ce n'est pas la fin, sinon ce serait trop beau et trop simple. Les deux cousins vont donc collaborer pendant 2 ans ensemble et Paolo va se dire que Maurizio essaye de conspirer contre lui. Il va donc faire ce qui a réussi à son père et chercher des preuves sur des opérations frauduleuses émanant cette fois-ci de Maurizio. Maurizio est alors arrêté et doit payer une forte amende et condamné à une peine de prison avec sursis. En 1994, Maurizio divorce enfin de sa femme Patrizia Reggiani avec qui il avait déjà coupé tout lien depuis au moins 10 ans. À l'époque, il s'est marié donc avec Patrizia, mais il est très vite tombé amoureux d'une autre femme beaucoup plus jeune que Patrizia. Pensant que Maurizio est encore en train de conspirer contre lui, Paolo n'aura pas le temps de mettre en place un nouveau plan puisqu'il décède en 1995. Maurizio rachète alors les parts de l'entreprise pour ensuite la revendre au groupe InvestCorp dont on a parlé tout à l'heure. Quelques semaines plus tard, Maurizio se rend sur son lieu de travail, monte les escaliers et est violemment abattu de 3 balles dont une finit dans la tête et dans le cœur. L'enquête commence alors, les détectives pensent peut-être à une vengeance au niveau international, d'autres groupes, etc. Mais en fait, il va s'avérer que c'est l'ex-femme Patrizia Reggiani qui a engagé un tueur à gages afin d'assassiner son ex-époux. Pourquoi a-t-elle commis un tel acte? Son statut de Madame Gucci lui tenait réellement à cœur et elle ne voulait pas le céder à une autre femme. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas non plus partager ses privilèges comme elle disait. Sa solution a donc été d'empêcher son ex-époux de se remarier et de l'assassiner. Elle va alors être condamnée à 26 ans de prison et est sortie depuis 2013. C'est ainsi que s'achève l'histoire de la famille Gucci. Il y a plusieurs détails que j'ai volontairement tus parce qu'ils me semblaient pas forcément importants pour l'histoire que je souhaitais vous conter aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu qu'on ne sait plus vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux. On l'a vu, beaucoup sont prêts à franchir une certaine limite afin de rester dans l'héritage de la maison Gucci. Si vous ne connaissiez pas donc l'histoire de Gucci, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu et si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce style. J'ai déjà en tête plusieurs sujets sur lesquels je vais pouvoir m'attarder. En attendant, je vous dis à la prochaine, gros bisous. Thank you.